La construction d'un nouvel édifice débute généralement par l'emplacement de sa pierre angulaire. Ici, à l'Assemblée législative de l'Ontario, l'architecte Richard Wade a dérogé à cette règle, d'où l'absence de cette pierre pour le bâtiment. Un fait intéressant, les arches derrière moi sont marquées des initiales de Monsieur Wade et du ministre des Travaux publics de l'époque. Pour plus de faits surprenants sur le Parlement, n'hésitez pas à vous inscrire à l'une de nos visites extérieures.